Bonjour, bienvenue à la capsule TIC numéro 2, comment utiliser la synthèse vocale sur les iPads. Donc, sans avoir à télécharger quoi que ce soit, aucune autre application, il y a possibilité de faire lire des textes par la synthèse vocale sur vos appareils, vos tablettes iPad. Donc, voici comment faire. Je vais me rendre à une page ici, arrière-plan transparent. Donc, vous avez à l'écran mon appareil iPad. Donc, il s'agit d'aller sur les réglages. Ici. Alors, c'est dans le menu, sous-menu général, dans accessibilité. Et ensuite de ça, c'est dans parole ici qu'on viendrait faire les choix. Donc, moi ici, ce que je veux, c'est énoncer la sélection manuellement. Donc, je vais venir là, placer ça en vert. Mais il y aurait moyen de faire énoncer le contenu de l'écran par défaut. On peut venir changer la voix. Par défaut, c'était en français, mais vous pourriez venir mettre en anglais ou dans une autre langue. Il y a le débit vocal ici sur lequel on peut jouer allant de tortue, donc de lent à lièvre plus rapide. Et vous avez là d'autres options. En fait, c'est énonciation automatique qui est ici, alors qu'énoncer le contenu de la page, c'est quand je balaie la page avec mes deux doigts, j'entendrai à ce moment-là la synthèse vocale. Donc, une fois que c'est fait, cette portion-là, il s'agit maintenant de sélectionner. Alors, je vais aller sur Internet. J'ai choisi un article de journal là, au hasard. Donc, je viendrai sélectionner le texte tout simplement. On va attendre un petit peu. Il veut savoir de moi. Alors, sélectionner. Je viendrai choisir là, une portion de texte. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est énoncer. Donc, en cliquant sur énoncer, j'entendrai la synthèse me parler et me lire le texte. Donc, j'espère que ce petit outil vous sera utile, notamment pour les élèves probablement en difficulté, les élèves d'adaptation scolaire qui ont souvent un appareil entre les mains. Donc, à la prochaine!